Salut à tous les potes, c'est Jixury, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve sur InnaOrk, et plus spécialement en Bedwars, pour faire un défi, et ce défi c'est de faire la plus grosse protection en Bedwars. Alors pas faire la plus grosse protection genre en mode qui est la plus efficace, mais la plus grosse protection genre en termes de taille. Et d'ailleurs pour la prochaine vidéo si vous voulez on fera la plus grosse protection en obsidienne. Si vous voulez voir cette vidéo il faut mettre 500 pouces bleus par ronde. Voilà, en gros le but de la protection sera pas forcément de bien protéger, mais plus de faire galérer les ennemis, disons. Bref, on va pas plus parler que ça et on va directement se rendre en Bedwars. Et aussi, je vais en Bedwars sur InnaOrk tout simplement parce que sur Hypixel, il y a actuellement 150 000 connectés. C'est un peu compliqué de jouer, tout le monde tape super loin. Et puis le Bedwars de InnaOrk, il est pas si mal que ça. Ok, c'est bon, on est arrivé. Ah oui, mais là, le problème, c'est que ici, genre, je sais pas si on peut mettre des blocs, par exemple, ici, je sais pas, on va voir. On va essayer déjà de commencer avec 48 blocs. Est-ce qu'on peut pas poser des... Ok, ouais, c'est très bien ça. Ok, en vrai, ça va le faire. En plus, sur ce serveur, ça bug pas du tout. Tous les blocs se mettent instantanément. Enfin, même sur Hypixel, en vrai, mais c'est juste que sur Hypixel, il y a vraiment plein de bugs quand il y a plein de joueurs, donc c'est chiant, en fait. Ok, bon, là, on a déjà plutôt bien construit notre protection, là. Ça fait déjà beaucoup de blocs, mais on va en mettre encore plus. En plus, j'ai l'impression que sur InnaOrk, les gens, ils se font beaucoup moins chier, parce que, genre, tout à l'heure, j'avais déjà essayé de faire la vidéo sur Hypixel et je faisais que de me faire rush. Genre, il y avait 3 mecs à ma base. C'est quoi cet abus, là? Oh, bah, le rose, il arrive. Ok, c'est bon, il s'est fait attaquer par un autre gars, donc il part. Donc ça nous permettra d'agrandir encore notre protection. Ok, bon, on va rush le rose, parce que sinon, le rose, il va vraiment nous faire chier. Ah merde, il est super bien stuff, en fait, le rose. Ah, bon, il était super bien, stuff. Ok, mais en fait, il a plus de lit, le rose. Ok, bah, c'est très bien, ça. Ah, par contre, le PVP, il est vraiment infâme, hein, sur ce serveur. On peut pas. C'est comme sur Funcraft, on peut mettre aucun combo, c'est horrible. Oh là là, mais c'est horrible! On peut mettre aucun combo! En plus, il y a le jaune qui arrive de pire en pire. Hein. Bon. Ok, c'est bon, le jaune il est mort, donc ça nous permettra d'encore une fois agrandir notre protection, donc c'est cool. Franchement, je pense que le jaune il a vu la taille de notre protection. Je pense qu'il s'est dit, oh non, ça en vaut pas la peine, il s'est suicidé. C'est fou ça, il y a tout le monde qui vient, c'est pourquoi sur moi en fait? Genre, je fais une vidéo et c'est bon, tout le monde est content, tout le monde se dit, ouais, on va venir sur Jixury. Vous êtes chiant en fait. Ah, ouais, c'est vrai qu'il y a les boules de feu qui sont très très efficaces contre. Ah, putain, dommage. Bon, il a mon lit. Bon, maintenant, je pense qu'on va essayer de faire la plus grosse protection, mais en endstone. Genre, c'est un petit peu plus solide. Et en vrai, je pense que ça pourra le faire. Après, les îles, elles sont très très proches, donc je pense qu'il y aura forcément des mecs qui vont casser les couilles. Entre guillemets, des gens qui rush. D'ailleurs, je me suis lancé un petit défi. Vu que c'est les vacances et vu que j'ai 3 mois de vacances, bah, je me suis dit que pourquoi pas se lancer un petit défi d'atteindre les 10 000 abonnés en 3 mois. Jusqu'à la fin des vacances. En gros, j'ai jusqu'à la fin des vacances pour atteindre les 10 000 abonnés. Je sais, c'est un défi totalement fou et peut-être que je l'atteindrai pas, mais on sait jamais. On sait jamais. Donc il y a clairement 6000 personnes qui regardent mes vidéos quotidiennement, enfin pas quotidiennement mais régulièrement, et donc ça veut dire que la moitié ne sont pas abonnés, donc abonnez-vous les gens, comme ça on atteindra le plus rapidement l'objectif des 10 000 abonnés. On va continuer à agrandir notre protection là. Ah putain, ah mais voilà, mais ça m'énerve. Putain, mais c'est quand qu'on va me laisser tranquille? Putain, par contre c'est très très long hein, d'attendre que les minerais respawn. En vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur l'île au diamant pour aller me chercher les améliorations de la forge. Parce que sinon ça va vraiment prendre 10 ans et demi. Ok, on a déjà 4 diamants, c'est cool ça. Hop, on va s'améliorer la forge et là on va s'améliorer. En fait, on va s'améliorer que la forge, comme ça, voilà, ça va être très bien. Hop, on améliore toujours notre petite protection. Ok, il me manque plus qu'un diamant. Bon, je vais... Hop, essayer de le tuer. Ok, non, on va pas essayer de le tuer. Si, on va essayer de le tuer. Ok, c'est bon, je l'ai eu. On va d'ailleurs essayer aussi d'avoir sa base en tant qu'on y est. Hop. Et voilà, comme ça, on sera tranquille. Ah bah non, en fait, on sera pas si tranquille que ça. Ah si, si, c'est bon, en fait. Ok, on se réaméliore notre forge, c'est génial. Putain, c'est bon, ça. On remet des petits blocs par-ci par-là, voilà, c'est très bien. On va essayer d'aller l'éliminer aussi, parce que sinon il va nous faire chier clairement et c'est pas ce qu'on veut nous. Bon, lui il a l'air d'être super bien protégé par contre, donc je sais pas où il est. Ah putain, dommage, je voyais pas où il était en fait. Ok, je me suis pris une petite épée en pierre, une petite pomme, donc on va essayer de pas mourir. C'est logique. Oh non, il va tellement nous faire chier lui. Oh là là, mais quel chieur, sérieux. Il peut pas laisser tranquille les gens.
Vraiment, c'est tout ça pour se faire tuer au final, quoi. Il est vraiment con. Il protège même pas son lit. Hop, ça dégage. Ok, là, il ne reste plus qu'un petit diamant. Et on pourra améliorer encore une fois notre forge. Et voilà. Là, c'est très très bien, ça. Bon, bah là, en vrai, ça fait déjà plutôt pas mal, en vrai. Ça a une assez grosse protection. J'ai déjà vu mieux, en vrai. Mais bon. Oh, d'ailleurs, il y a des émeraudes maintenant qui spawnent. On va aller chez le gris pour récupérer ses ressources. Voilà. Ah, voilà. Bah alors là, on a vraiment pas mal de blocs à se faire. Hop, là, regardez tout ça, là. Regardez. Oh là 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 là. Là, on met vraiment pas mal de blocs. Ça, c'est cool. Oh non, j'entends un mec. Ah ouais, ok, il est là. Oh putain, j'ai pas de boule de feu, j'aurais dû prendre une boule de feu. Hop, et voilà, ça dégage. Ok, bon bah voilà, j'ai gagné en plus, j'ai gagné. Bon bah c'est parfait, on a atteint notre but, on a fait une assez grosse protection. Pour la prochaine vidéo, je demanderai 500 pouces bleus pour faire du coup la plus grosse protection en obsidienne. Là ça va être vraiment assez exceptionnel. Bon déjà que j'ai galéré en vrai avec l'aide de l'endstone, j'imagine pas avec tous les rushers là qui vont venir toutes les 2 secondes. Bon, on va essayer, on va essayer. Bref, du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, tout ça. Road to 10 000 abonnés avant la fin des vacances les gars. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.